into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bad as torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Paradox pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur A Plague Tale Innocence. On est à peu près en hiver. La dernière fois, on avait Hugo qui avait essayé d'aller libérer sa mère. Et donc, du coup, il s'était fait capturer. Et donc, là, je vous propose qu'on démarre ce tout nouveau chapitre. Le soleil va bientôt se coucher. J'espère que Hugo le voit. De là où il est. Qu'est-ce que tu veux ? Ok. Bon. Bah du coup, voilà. La dernière fois, on avait une phase assez importante avec Hugo. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en est, du coup, par rapport au jeu. Je crois que Roderick travaille dans la cour. Au niveau amélioration, qu'est-ce qui nous manquait pour faire ça? Bon, ouais, c'est mieux. La serrure est encore gelée. Oui, l'hiver est rude cette année. Alors. Cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter. Il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Amélie pour le... Les coffres? D'accord. Oh, Amélie va encore me dire qu'elle a pissé dessus. Mais oui. Comment elle peut être bloquée? Le froid, je te dis. C'est presque pire que la rouille. Ouais, cool l'ambiance. Oh, je sens plus mes doigts. Réduit le temps de retournement de la fronde. On prend ça. Et ça, c'est quoi? Pas mal du augmente tout. La durée d'effet. Torboris une. Limitant d'inifère distrait des ennemis autour. On va prendre ça. Ça m'a l'air bien mieux. Est-ce que du coup on peut récupérer ce qu'il y a là ou pas? Non, on est toujours plein. Ouais, l'ambiance a l'air fou. Ok, les tissus, on va les garder, il nous en faut. Toi aussi, tu te sens seul. Hein. Oh. Allez, courage. Un jour de plus. Ok. L'ambiance est tellement bizarre, mais bon, depuis le dernier épisode, ça vient. Je me souviens de chaque endroit, chaque moment. La soupe. C'était le tour de qui? Mélie? Non, je sens pas assez le poivre. Bon, ça, on n'en a plus besoin. En soi, vu qu'on y a accès avec nous. Table de craft, enfin, on y a accès depuis le menu pause. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige.
c'est waouh. On sent que l'ambiance est. Enfin. Ouais. Mince. Que l'ambiance est pesante. On le sent. Encore une fois. Tu m'emmerdes. Je veux nous garder en vie, c'est tout. Comme on a toujours fait. Hé. La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son corps. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon. Quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, ça va? Je me sens vieille. T'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aime pas bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Je t'ai fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. C'est bon. Je parle pas beaucoup. Je pense que... C'est même sûr, va y avoir des grosses explications là. Il y a, je pense qu'honnêtement, la fin du scénario va gentiment se mettre en place. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Rodrigue? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, il va marcher. Va marcher, je te dis. Hé, tu calmes. Si tu casses tout. Oh. Ben voilà, ça marche. Les brasiers resteront à leur place. La méthode Rodrigue. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Ok. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Alors, tu as fait des prouesses? Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Je vais me laver, je te laisse. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur. Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que je vais faire? Je comprends pas ce que je dois faire en fait. Ça fait quoi ça? Ok, tout est allumé. Non. Tac. Je pense qu'il faut faire passer par là. C'est fou, mais sur ce jeu, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à commenter en fait. Parce que pour le coup, en fait, je sais très bien que ce jeu suffit à lui-même en fait.
Et je veux juste en fait voir ce qui va se passer. Je veux juste vivre en fait le moment. Ok, donc celui-là est tourné. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Placer vers la fosse. Ok. Ok. Donc si, c'est bien ça, mais sauf que l'autre. Enfin, les autres, je peux pas les diriger en fait, c'est ça que je comprends pas. On va y arriver, pas de panique. Juste que je m'en remette dedans. Ah voilà. Atteindre les remparts, ok. Tac. Merci beaucoup. Oh mon Dieu, oh la tonne de rats. Ok. On rejoint Arthur, ok. Ok. Dégage. D'accord, je compte sur toi.
Attends, tu m'approches, toi, attends. Ok. Mais mon Dieu, vous êtes combien? Ok, hop, allez, vas-y. Barre-toi. Il est allumé. Deux secondes. Non. Et les rats ? Ok. C'est vraiment pas là que je suis censé aller. Suivre le chemin. Quoi? Quoi? Mais attendez. Attendez. Je vais me suicider. Ouais, tue-moi. C'est quoi le... Enfin... Pourquoi il n'y a pas de chemin avec Arthur ? Rapproche l'autre, faites vite s'il te plaît. Amicia, notre main de rat. Ne te laisse pas, tu vas sortir de là. Tac. Hop, allez, vas-y, viens. Foutez le camp. Ok. Ça, on peut allumer. Mais ensuite, là, faut que j'aille où, en fait? C'est ça que je comprends pas. Peut-être... Ah, là. Non! Ah, remonte. Purée! C'est pas ce que je voulais.
bon. Voilà. Ouais. Préfère être ici que en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend? J'en sais rien, moi. On aurait dit une sorte d'attaque. Tu te fous de moi? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent ce qu'ils font. Merde. J'aurais bien dû se tirer. Chez moi, à la maison. C'est bon. Allez, viens. Amicia, je crois que c'est besoin de toi. Je m'en occupe. Je ne sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Il en arrive encore. Ils veulent vraiment me couper. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Quoi? Mais lol, ça marche pas? Je pense que vous l'avez vu, ça a pas marché. Allez, vas-y. Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Allez, go! Est-ce que ça va? Non, c'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais... le château est fait pour résister Lucas, à... Lucas, il n'y en a jamais eu autant. Tu vois bien que c'est pas quoi, une alors invasion. Par ici. Vite. Pardon. Ce que tu dois faire. Hugo. Viens. Oh. C'était Mélie, qu'est-ce que tu fous avec cette porte? C'était bien lui. Elle va pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rats. Contrôle, oui. Voilà. Avec la macule. On va sortir. Pas de panique. Le château a été parfait. Mais non, il est foutu, le château. Quoi? Il contrôle les rats, ok. Mais depuis quand eux contrôlent Hugo? Non. Oh. Pardon. Au travail. Hugo. Hugo. Tu l'as. Ou je tuerai ta mère sous tes yeux. Hugo, c'est moi. Amicia, ta sœur. Oh non. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses... Oh non, il faut choisir. Oh non, ils font choisir à Hugo entre sa mère ou sa sœur. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Assez. Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure. Ordure. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la Macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était! Son sang brûle maintenant dans les veines du grand inquisiteur.
Merci. On l'a eu, ce sale chien. Amicia. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je peux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo ? Hugo ! Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien te faire, Hugo. Regarde. D'accord. D'accord. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais. J'essayais de te protéger. Je t'en supplie. Oh shit! Je ne vais plus à rien. Hugo, il ne doit pas voilà. On doit partir d'ici, Amicia. Ils ont perdu du feu. Ok, je me suis foiré, j'avais pas vu le feu. Ça va être chaud, cette phase. J'ai tout mon temps. Le froid finira par vous en. Tiens, tiens. Regardez. Ma lame est encore chaude. Profitez-en. Où es-tu passé? On a besoin d'eux. Ok, on va recrafter. Vos cœurs. Je peux les entendre battre de peur. Restez là. J'arrive pas à faire ce que je veux. Par on fuit. Hugo. Vas-y. Toi, tu fais quoi, toi?
Putain, on est repéré à chaque fois. Rien. Je vous avais dit. Allez, meurs. Ou t'as une troisième phase. T'as une nouvelle phase. C'est l'enfer. Hugo. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Allez, on est parti pour le dernier peut-être chapitre. Allez, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour peut-être le dernier épisode qui s'appelle Le Sacre. Merci à tous. C'était Para. Rendez-vous très bientôt pour ce tout nouvel épisode. Allez, n'oubliez pas de mettre un pied avec un petit commentaire avant de partir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Allez, on se donne rendez-vous du coup très bientôt sur rien pour la suite de notre aventure sur A Plague Tale Innocence. N'oubliez pas non plus de partager la chaîne et la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous, c'était Para. Bye bye tout le monde. Salut, ciao, bye tout le monde. Salut, bye.